Bonsoir, prophète âgé. Bonsoir, bien-aimé Raf, que Dieu vous bénisse. Qui vous bénisse aussi, prophète. Je ne sais pas, alors nous sommes dans notre troisième numéro. Quel est le message que vous allez apporter aux enfants de Dieu qui nous suivent? Nous bénissons d'abord le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde une fois de plus. Par rapport à notre troisième émission sur Congo Mikili, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler sur la restauration. Et lorsque nous essayons de comprendre le verbe restaurer, en fait, c'est donner encore vie à quelque chose qui a existé, qui a été détruit. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la restauration là où il n'y a pas eu la destruction. Et pour soutenir ce que je sens de dire, la Bible nous dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et une personne qui a la visite du voleur vit la destruction, vit la perte, vit l'étouffement. Mais nous voyons que lorsque le Seigneur vient, c'est le seul qui vient pour restaurer. Donc, c'est, voilà un peu de mon l'introduction de ce message, mais on va aller en loin là, parce que ça sera, je crois que les trois émissions qui vont suivre, on va nous focaliser sur la restauration. Ok, chers téléspectateurs de Congo Mikili et de partout, je vous laisse alors suivre ces messages que l'homme de Dieu va vous apporter et ce soir, puis on se retrouve à la fin. Merci, suivez. Nous prions. Que toute la gloire, l'honneur et la magnificence te soient rendues à jamais, le maître de temps et de circonstances. Toi qui, une fois de plus, tu nous donnes l'opportunité de nous approcher de toi. Selon qu'il est écrit dans ta parole, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Papa, nous recommandons ce moment, cette émission, afin que des milliers de gens qui auront le privilège de pouvoir la suivre, qu'ils soient édifiés, qu'ils soient consolés et qu'ils puissent expérimenter la restauration. C'est au nom de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu et le Tout-Puissant, j'ai ainsi prié avec multiple action de grâce, j'ai dit Amen. Très chers auditeurs, très chers internautes, pour ne pas me répéter, nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde de pouvoir échanger avec vous. Et j'ai bien voulu, avant d'introduire ce grand thème que nous aurons à partager pendant les trois émissions qui vont suivre, parce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de pouvoir partager, échanger avec vous sur la restauration. C'est un grand thème qui est important, qui est capital pour nos jours. Mais bien avant de commencer cette émission, j'ai voulu ouvrir une parenthèse avec la lecture du de passage de la parole de Dieu. J'aimerais rapidement d'abord commencer par un verset qui m'est arrivé, qui m'est venu à l'esprit. Je suis dans le livre d'Osée, à son chapitre 4. J'aimerais lire rapidement le verset 6. Donc, j'aimerais introduire ces messages par une parenthèse. Je lis le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit.
parce qu'il lui manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je t'oublierai aussi tes enfants. Je m'arrête par ici. Je crois que j'aimerais, avant de continuer, rappeler au peuple de Dieu qui nous suit, au travers de ces émissions, la motivation première qui nous pousse à animer ces émissions ici. Si Dieu a permis que nous venions, c'est parce qu'effectivement, il y a un constat au ciel. Et quel est ce constat? Le ciel se rend compte que s'il y a beaucoup de dégâts qui se font, beaucoup d'erreurs, beaucoup de confusions, c'est parce qu'effectivement, la plupart des enfants de Dieu que vous êtes, que nous sommes, nous avons un déficit de la connaissance de Dieu. Et par rapport à le truc que je viens de faire maintenant ici, bien aimé, la personne qui parle ici, ce n'est pas le prophète âgé, ce n'est pas le pasteur X, le pasteur Y, ce n'est pas le monseigneur, mais peut-être l'abbé XY, mais la personne qui parle, qui est au travers du verset que je lis, c'est Dieu. En fait, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a constaté un fait. Peut-être toi qui me suis, tu vas dire que non, tu peux te poser la question que aujourd'hui ma vie est détruite. Tu vas donner plusieurs raisons qui vont te faire croire que ta vie est détruite. Peut-être les autres vont me dire que non, leur ministère est détruit parce qu'ils n'ont pas de partenaire. Peut-être toi tu vas me dire que ton foyer est détruit parce qu'il y a un combat. Peut-être un autre va encore dire que non, ma vie ne marche pas, ma vie est détruite parce que j'ai été attaqué. Mais ce n'est pas ça la vraie raison. Parce qu'ici, la Bible nous dit quoi? Dieu dit. Dieu qui dit, qui connaît la vérité, Dieu qui a la vérité, il dit quoi? Il dit que mon peuple est détruit. Et ce que j'aime ici, c'est quoi? Non seulement Dieu conclut en disant que son peuple est détruit, mais Dieu nous donne aussi la réponse. Parce qu'en français, on répond à la réponse, c'est parce que lorsque la question est posée par pourquoi, nous voyons ici que non seulement le Seigneur d'abord, il constate que son peuple est détruit, mais il donne aussi la vraie raison qui a fait que ce peuple-là, parce qu'il ne parle pas ici, je m'excuse, de musulmans, et il ne parle pas ici des monistes, ici il parle de ceux-là, de la catégorie de ceux qui prétendent être enfants de Dieu. C'est-à-dire tous ceux-là qui ont le nom de Dieu dans la bouche, qui chaque jour vont dans les églises, dans la prière, Dieu constate que ceux-là sont détruits. Mais la vraie raison ici que Dieu nous donne, qui prouve que son peuple est détruit, Dieu n'a pas dit que non, on est détruit parce que nous traversons la crise économique. Mais Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. C'est dans cette optique, c'est dans cette diapason que nous avons résolu de pouvoir aider le peuple de Dieu à pouvoir connaître la vérité. Et la Bible renchérit en disant que non, vers le soir, la lumière apparaîtra. Or, s'il faut revenir au mot connaissance, en réalité, cher internaute, bien-aimé dans le Seigneur, une connaissance, c'est une information. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence entre le pays développé et le pays sous-développé? La différence se résume, ou bien se résume au niveau de la connaissance. Dans tous les domaines, que ce soit médical, que ce soit économique, que ce soit juridique, ce pays-là qui ont le nom de pays développé ont plusieurs connaissances que les pays sous-développés n'ont pas. Or, lorsque nous reconnaissons qu'une connaissance est une information, j'aimerais vous rappeler que dans le domaine de l'information, il y a deux choses aussi qui constituent une information. On ne peut pas parler d'une information lorsqu'il n'y a pas la présence de l'émetteur et du récepteur. Pour comprendre ce que j'ai dit, vous allez comprendre, bien-aimé, que non. Si à Éden, j'aime revenir à Éden, c'est-à-dire si Adam a été détruit, c'est parce qu'Adam avait fait l'erreur de pouvoir, bien-aimé, laisser ses récepteurs à recevoir des mauvaises émissions. Quelle était cette mauvaise émission? C'est lorsque Adam a ouvert ses récepteurs à écouter le diable. Et le diable a émis, bien aimé, de mauvaises émissions qui sont venues, bien aimé, de séparer l'homme avec Dieu, désunir l'homme avec Dieu.
casser la communion que nous avons avec Dieu. C'est-à-dire pour dire, bien-aimé, que nous devons savoir, toi qui me suis, homme de Dieu, peuple d'Israël, enfant de Dieu, qu'il ne faut pas laisser tes récepteurs recevant n'importe quelle émission. Pour mieux comprendre ce que j'ai dit, vous devez savoir que nos oreilles représentent des récepteurs et nos bouches représentent quoi? Des émetteurs. Or, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, en vérité, la plus bonne émission que tu as besoin d'entendre pour donner la vie à toi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Étant dit, nous revenons au vif du sujet. Comme je l'ai annoncé tantôt à l'introduction, que nous voudrions bien aimer parler sur la restauration. Et sans plus perdre le temps, on va prendre le verset qui va nous aider à argumenter cette émission ici. Nous allons rapidement dans le livre de Job. Je lis rapidement. Job. N'allez pas chercher, s'il vous plaît, Job après Matthieu, parce que vous ne le verrez jamais. Je disais Job à son chapitre 14. Le verset 7, je vais me limiter au verset 9. Je le lis au nom de Jésus. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, le verset 9, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. C'est le passage que nous voudrions, bien aimé, soutenir le thème que nous avons donné sur la restauration. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que le voleur n'est bien que pour voler, égorger et détruire. Et papa, c'est ce que je veux dire ici, bien aimé. Nous devons comprendre, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé dans ta vie. Je ne sais pas, bien aimé, ce que tu as fait. Mais ce que je vais te dire ce soir, c'est encore possible de retrouver la vie de gloire. C'est encore possible, mon frère, ma soeur, de pouvoir t'élever et adorer Dieu. C'est encore possible de récupérer ce que tu as perdu. Parce que la volonté de Dieu, lorsque Dieu fait grâce à quelqu'un, Dieu veut que la personne qui reçoit la grâce puisse bien aimer jouir de la grâce de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, dans sa prière sacerdotale, il dit, « Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, si ça n'a été le fils de la perdition. » C'est-à-dire, oh, il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ils peuvent être des enfants de Dieu, ils peuvent être des hommes de Dieu. Tu vas constater que dans ta vie, ce que tu as aujourd'hui n'est pas ce que tu as autrefois. Ou encore, ce que tu as aujourd'hui n'est pas ce que tu as eu autrefois. Beaucoup parmi nous ont été bien il y a 10 ans passés. Beaucoup parmi nous, bien-aimés, avaient la gloire, avaient le crédit, avaient le respect, avaient la considération. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez, bien-aimés, au bas du plancher. C'est pourquoi ce message est le bienvenu dans ta vie ce soir. Et par rapport à la lecture que j'ai faite ici, la Bible est en train de nous montrer l'exemple d'un arbre. C'est-à-dire, Dieu utilise le symbole de l'arbre pour te parler, pour me parler. Et qu'est-ce que Dieu dit? Ici, Dieu nous dit quoi? Il dit que non, l'arbre a de l'espérance. C'est-à-dire, même si on peut le couper aujourd'hui, cet arbre qui a été coupé, la Bible nous dit quoi? À l'approche de l'eau, cet arbre qui a été coupé, bien aimé, a l'espoir que même si aujourd'hui, on a coupé mes branches, on a coupé mes feuilles, mais je sais que demain, je peux encore repousser. C'est pourquoi ce soir, je répète, homme de Dieu, je ne viens pas ce soir te condamner. Je ne viens pas ce soir comme pénitent te mortifier. Mais je viens te dire ce soir que c'est possible de retrouver une fois de plus la vie d'intimité avec Dieu. C'est possible de marcher encore dans la crainte de Dieu. C'est possible, bien aimé, de voir encore le ciel s'ouvrir dans ta vie. Car le Dieu que nous prêchons
n'est pas un Dieu de la condamnation, mais c'est un Dieu de la seconde chance. C'est un Dieu qui dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Pour comprendre très bien ce que je dis, je vais donner l'exemple d'un homme. La Bible nous dit que pendant que le Philistin s'était livré, bien aimé, à maltraiter le peuple d'Israël, pendant que le Philistin s'était destiné, bien aimé, à terrifier, à exterminer le peuple d'Israël, la Bible nous dit que pour, bien aimé, remédier à la situation, le Seigneur se décida de choisir quelqu'un, à la personne de Samson. Oh, bien aimé, pour la petite histoire, la maman de Samson, avant de mettre au monde cet enfant là au nom de Samson, la Bible nous dit qu'elle a été stérile. Jusqu'à ce qu'au temps fixé par Dieu, Dieu va la visiter en disant que dès aujourd'hui, tu auras enfanté et cet enfant-là sera l'instrument que moi, le Dieu Tout-Puissant, j'ai choisi enfin de délivrer Israël de la main des Philistins. C'est-à-dire, en d'autres termes, la présence de Samson bien-aimé dans ce monde était l'image, le symbole de la délivrance que Dieu avait décidé d'accorder à son peuple face à ceux-là qui le maltraitaient. Mais la Bible nous dit qu'il y avait des conditions par rapport à cet enfant. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que tellement cet enfant est consacré de le sang de sa mère, Dieu d'abord avait d'abord donné des interdits à sa maman. Dès le moment où elle était informée qu'elle possédait à son sein une semence qui venait de Dieu, qui devait bien aimer jurer le rôle de la délivrance de son peuple. Dieu dit à cette femme de ne plus boire de liqueur forte parce que cet enfant était consacré. Et le deux Dieu dit quoi? Que tout le jour de sa vie sur la terre, qu'il y avait un interdit qui consistait à ne pas faire passer les rasoirs dans sa tête. Et la Bible nous dit que les années se sont écoulées. Ce que Dieu avait dit, ça s'était accompli. Parce que cette dame bien-aimée arriva à concevoir et la conception l'a poussée à accoucher. Et effectivement, elle avait accouché ce garçon qui, lorsque devenu grand, Dieu a commencé à l'utiliser pour délivrer son peuple. Mais la Bible nous dit qu'à un certain moment donné, pendant que Samson bien-aimé descendait à Timan, la Bible nous dit quoi? Que Samson va croiser un jeune lion. Je vois encore une autre parenthèse. Sans avoir rien dans sa main, la Bible nous dit que Samson déchira le lion. J'aimerais bien aimé t'informer, toi qui me suis, que l'heure a sonné. Ou bien aimé, le lion doit être déchiré. Et lorsque je parle du lion, bien aimé, je fais allusion à la parole de Dieu. Parce que le lion, c'est Jésus. Il n'y a personne, bien aimé, qui peut prétendre qu'il a tout le monopole de la parole de Dieu. Oh, la Bible nous dit que ce jeune homme, au nom de Samson, sans avoir un couteau, sans avoir rien à sa main, il déchira, bien aimé, le lion au travers de sa main. Oh, la main est composée de quoi? De 5 doigts. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'humanité doit comprendre, toi qui me suis, le rôle de 5 ministères à l'église, c'est quoi? C'est de parvenir, bien aimé, à déchirer les lions. Parce que Samson est allé, bien aimé, il a déchiré ce lion-là. Oh, chaque doigt qui constitue la main, bien-aimé, joue un rôle important au, bien-aimé, au déchirement de ce lion, parce que la Bible nous dit qu'après 3 jours, il est allé là, il avait tué le lion, sans avoir quelque chose à la main, comme je l'ai dit. Il est allé prendre les sèmes des abeilles, donner à son père et à sa mère. Ça veut dire quoi? Lorsque le lion est déchiré, on va puiser la révélation. L'Église a besoin de la révélation. Parce que la révélation de la parole de Dieu, bien-aimé, est claire. Et je reviens à ce message. Le même Samson, bien-aimé, qui est allé, qui a déchiré le lion, qui est allé prendre des sèmes d'Abel et donner à son père, à sa mère, la Bible nous dit, n'a plus compris, bien-aimé, que l'onction qu'il avait reçue était pour un but. Dieu avait oué Samson, afin que par cette onction que Samson puisse délivrer Israël de la main des ennemis. Mais la Bible nous dit que malheureusement, Samson commençait à utiliser cette tension comment? Pour aller aimer des femmes. Et la conséquence qui s'est passée, lorsqu'il a aimé une femme, il s'est fait que non, on a aimé cette femme-là. Il est allé pour détruire bien-aimé, aller tuer des gens, aller tabasser des gens.
Oh, la vraie raison de cette onction que Dieu avait communiquée, c'était pour la délivrance d'Israël. C'est là que j'aimerais m'adresser à toi, homme de Dieu. L'onction que Dieu t'a donnée, c'est pour un but. Aujourd'hui, l'Église est devenue comme bien-aimé des brebis qui n'a pas de berger. Aujourd'hui, bien-aimé, les gens utilisent abusivement la grâce que Dieu les a donnée. C'est pourquoi l'émission précédente, j'avais parlé sur le couteau. Et qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit que le couteau, c'est un instrument qui a plusieurs usages. Ce n'est pas le couteau qui puisse être un problème, c'est l'utilisateur. Aujourd'hui, nous remarquons qu'à l'Église, il y a des gens qui utilisent abusivement la parole de Dieu, soit pour aimer pour manipuler le peuple d'Israël, soit bien aimé pour, bien aimé, amener des hérésies. Oh, la parole de Dieu a un but. La Bible nous dit que toute écriture inspirée de Dieu est utile, et d'abord enseignée. Si aujourd'hui il y a des dégâts qui se font, il y a des heures qui se font, c'est parce qu'effectivement, les gens ne sont pas enseignés. C'est pourquoi j'ai entendu ce message sur la connaissance. Je reviens sur la restauration. La Bible nous dit que Samson, lorsqu'il a pris conscience maintenant que l'onction qu'il avait reçue ne servait pas à aller aimer des femmes et que plutôt servait pour délivrer Israël, la Bible, lorsqu'il s'est mis bien aimé, il est entré dans sa vraie mission, il a causé un problème bien aimé aux Philistins. De sorte, bien aimé, la Bible nous dit, ils ont tenté à maintes reprises la voie, ils ne pouvaient pas. Jusqu'à ce que la Bible nous dit, les princes des Philistins se consultèrent et ils décidaient, bien aimé, d'aller auprès de l'Élila pour dire que non, va auprès de cet homme. Parce qu'ils étaient conscients, bien aimé, que avant qu'il puisse être révélé du secret de Samson, cet homme Samson était imbattable. La Bible nous dit qu'ils ont tenté des pièges, ils ont fait des embuscades. En aucun jour, en aucune fois, ils sont parvenus, bien aimé, à vaincre Samson. Jusqu'à ce que, bien aimé, après avoir utilisé Delila, la Bible nous dit quoi? Eux-mêmes, ils disent quoi? Ils disent, va auprès de cet homme qui te dise d'où lui vient sa grande force et qu'est-ce que nous pouvons faire pour les dompter. C'est-à-dire, ils étaient conscients, bien aimé, que non, Samson avait une force surnaturelle. Samson était imbattable. Mais qu'est-ce qui s'est fait, la Bible, bien aimé? La Bible nous dit que Samson, après avoir été séduit, flatté par Delila, il finit à ouvrir son cœur. Oh, la Bible nous dit, résister au diable, il faut l'un de vous. Samson n'a pas pu résister, bien aimé, à la tentation, bien aimé, de Delila. Et en fin de compte, il a dévoilé son secret. C'est par là que le message commence. Et nous voyons, bien aimé, qu'après avoir dévoilé son secret, tous les maux possibles, toute la misère possible, bien aimé, était venue dans la vie de Samson. C'est pourquoi j'aimerais là t'interpeller, mon frère, ma soeur. Nous devons savoir que chaque appel, il y a une promesse. Et chaque homme de Dieu, chaque enfant de Dieu, tu dois comprendre que dans ta vie, il faut connaître quels sont tes interdits. Parce que lorsque tu ne connais pas les interdits de Dieu dans ta vie, tu es malheureux. Nous remarquons qu'à Éden, Dieu avait prévenu Adam et Ève. Il les a dit quoi? Je vous donne le privilège de faire tout ce que vous voulez. Allez partout où vous voulez. Mais quant à l'âme qui est au milieu, n'en touchez pas. C'est-à-dire, c'est un interdit que Dieu avait donné à Adam et Ève. Et lorsqu'on ne trouve pas son aimé, on va au-delà des interdits de Dieu. C'est ça le péché. Et la Bible nous dit, bien aimé, que Samson, après avoir dévoilé sa force, Delila alla informer à ses ennemis, il va bien aimé, il coupait la chevelure de Samson. Parce que la force, bien aimé, de Samson résidait dans sa chevelure. La force de Samson, bien aimé, résidait dans sa chevelure. Et lorsque c'est ça, mon frère, ma soeur, je parle de la chevelure de Samson, je parle de la communion avec le Seigneur. Il y a bien des gens aujourd'hui, ils ont vécu les dégâts dans leur vie. Et deux, la Bible nous dit quoi? Qu'est-ce qu'on a pris? On a troué ses yeux. Et toi, la Bible nous dit quoi? Il était lié. Ce sont les trois choses, les trois conséquences de l'absence de la communion avec Dieu. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que des gens sont victimes? Pourquoi est-ce que dans ta vie, tu as perdu la santé? Pourquoi est-ce que tu as perdu les crédits que tu avais? Pourquoi est-ce que tu as perdu, bien aimé, le bien que tu avais?
C'est parce que tu as ouvert une porte. C'est parce que, bien-aimé, tu n'es plus en communion avec Dieu. Il n'est pas dit qu'avec X, on fera des exploits. Il n'est pas dit qu'avec mes diplômes. Il n'est pas dit avec Obama, avec Sarkozy. La Bible est claire. La Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mon frère, tu peux être l'homme le plus puissant de ce monde. L'homme le plus puissant de ce monde. Si Dieu n'est pas avec toi, tu es malheureux. La Bible nous dit que la grâce est trompeuse. La beauté est vaine. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera récompensée. Nous voyons dans cette histoire, mon frère, ma soeur, que Samson a perdu, bien aimé, la gloire qu'il avait. Il a perdu les crédits qu'il avait. Il a perdu le respect qu'il avait. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il s'était désolarisé avec le Seigneur. Parce qu'il n'était plus en communion avec Dieu. Et la première conséquence, bien aimé, il a cru qu'il allait s'en sortir comme autrefois. Il a été battu. La deuxième chose, la Bible nous dit quoi? On a troué ses yeux. Et vous savez, lorsque quelqu'un a des yeux troués, c'est l'image de l'aveugle. C'est pourquoi tu remarques aujourd'hui dans ta vie, rien ne marche. Tu ne vas pas clair. Tu ne vas pas clair dans ton ministère. Tu ne vas pas clair dans ton foyer. Tu ne vas pas clair dans tes études. Tu ne vas pas clair dans tout ce que tu fais. Parce qu'un aveugle ne peut pas avancer. Un aveugle est limité. La Bible nous dit que Samson, l'absence de la communion avec Dieu, premièrement, a fait qu'il avait les yeux troués. Et secondo, la Bible nous dit, Samson était lié, tournant sur la mêle et commençait à faire le rompre. C'est pourquoi tu es vraiment bien aimé. Ça fait des années que tu pries. Ça fait des années, homme de Dieu, pasteur, prophète, pasteur. Pourquoi ce ministère ne va pas de l'avant? Parce que, bien aimé, tu n'as pas la communion avec le Seigneur. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Comme je l'ai dit en introduction, Dieu dit dans le livre de Job qu'un arbre a de l'espérance. Nous devons savoir, mon frère, ma soeur, que celui qui coupe les ponts de la bien-aimée, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Le diable aura accès dans ta vie lorsque tu ouvres une porte. Le diable, lorsqu'il vient dans ta vie, mon frère, il viendra détruire, il viendra voler. C'est pourquoi le Christ dit quoi? Il dit que non, je ne parlerai pas guerre avec vous. Je sais que le prince de ce monde est là. Il n'y a rien de lui en moi. Lorsque dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur, il n'y a pas de porte d'entrée, le diable te combattra, mais il ne va jamais te vaincre. Le diable a accès à nos vies, premièrement, je dis, lorsque il n'y a pas la présence de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas la communion de Dieu avec nous, bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est laquelle? Nous voyons que Samson, bien-aimé, a souffert. Samson, bien-aimé, est devenu un sujet de la raillerie. On a commencé à se moquer avec lui. On a commencé plutôt à se moquer de lui. Mais la Bible nous dit, Samson s'est rendu compte que non. Si il est devenu ce qu'il était, c'est parce que sa chevelure avait manqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis à la fin de ce message. La Bible nous dit que non. Après avoir pris conscience, après avoir compris qu'il n'était pas fort parce qu'il était robuste, il a enfin compris qu'il était fort parce qu'il avait sa chevelure. Oh, la chevelure de Samson, bien-aimé, n'est pas de mèches, n'est pas de plantes. Mon frère, ma soeur, Dieu ne se répand pas de sa grâce. Mais une fois, bien-aimé, que tu ne vois plus la manifestation de la grâce de Dieu, il faut se repentir. Nous voyons que lorsque Samson s'est repenti, il a reconnu ses erreurs devant Dieu. La Bible nous dit quoi? Dieu est venu restaurer Samson. On a vu que les gens qui se moquaient de lui, bien-aimé, d'un coup, Samson a tué des gens plus que les gens qu'il a tués avant, bien-aimé, pendant, avant qu'il soit rasé. La restauration, mon frère, est possible. La restauration, ma soeur, est possible. Il n'y a pas de restauration sans la repentance. Il n'y a pas de restauration. Parce que nous voyons, bien-aimé, pour comprendre, pour finir ce message, nous voyons que l'homme, lorsque l'homme a péché, le Seigneur a envoyé des prophètes, ils n'ont pas parvenu. C'est ainsi que le Christ est venu, bien-aimé. À la croix, la Bible nous dit quoi? Ce sont nos péchés qu'il a portés. Ce sont nos souffrances qui étaient chargées. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et c'est par ces métissures que toi et moi, nous avons été sauvés. Mais n'oublie pas la croix. Jésus-Christ a crié, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La repentance. Tu ne peux pas prétendre, mon frère, ma soeur, expérimenter la restauration si tu ne te repens pas devant Dieu. Je ne viens pas te condamner. La Bible nous dit, celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde.
Bien-aimé, tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Le seul moyen, la seule voie qui permet à Dieu de se manifester dans ta vie, Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Dieu est un Dieu qui est saint. Bien-aimé, la repentance, c'est la seule voie qui va te permettre mener, de faire attirer Dieu de nouveau dans ta vie. Et lorsque Dieu vient, c'est pour apporter la restauration. C'est pourquoi Dieu nous dit, nous présente dans le livre de l'Évangile des Jean, il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Quand est-ce que maintenant Dieu vient donner la vie? Dieu viendra dans ta vie lorsque tu vas reconnaître tes erreurs. C'est pourquoi c'est ça, mon frère. J'aimerais t'inviter à la prière. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas, mon frère, ce que tu as pu peut-être, bien-aimé. Tu as outrepassé, bien-aimé, l'interdit de Dieu. C'est pourquoi tu te retrouves dans le malheur. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, la Bible nous dit, il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. La Bible renchérit en disant, même si tes péchés sont rouges, comme la cramoisie, mon frère, ma soeur, le sang de l'agneau a été versé à la croix, est capable de te rendre plus blanc que la neige. La restauration est possible. Aujourd'hui, ton ministère est par terre. Ta vie est par terre. Tu as perdu peut-être, bien aimé, ta considération. Tu n'es plus respecté. Les gens se moquent de toi. L'ennemi, bien aimé, te domine. Il y a possibilité, mon frère, de récupérer ce que tu avais. Parce que lorsque Dieu fait grâce à quelqu'un, il ne se répand pas de sa grâce. Nous voyons, bien aimé, que la chevelure de Samson, bien aimé, a repoussé. Samson, lorsqu'il a reconnu devant Dieu ses erreurs, la Bible nous dit que non, le cheveu de Samson repoussait après avoir été rasé. Et cette fois-ci, nous voyons, bien aimé, que Samson a tiré vengeance de ses ennemis. Tel a été ce soir, ce message d'introduction sur la restauration. Je vous ai dit que la restauration, c'est quoi? C'est le fait, bien aimé, de rebâtir de nouveau. On ne peut que restaurer quelque chose qui a existé, mais qui malheureusement a été détruit. Je ne sais pas qui a détruit ta vie. Je ne sais pas ce qui a détruit tes affaires. Je ne sais pas ce qui a détruit ton ministère. Mais je te dis, mon frère, c'est en se repentant devant Dieu que le Seigneur va faire manifester, bien aimé, la puissance de ses maîtrisures. Car la Bible nous dit, ce n'est pas ses maîtrisures que nous avons été guéris. Tel a été le message de ce soir. La restauration, mon frère, la restauration, ma soeur, est possible passant par la repentance. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, peuple de Dieu, venez te suivre ce message qui est très capital de la restauration. Alors, prophète, je ne sais pas, il y a des cas désespérés, les gens qui n'espèrent plus avoir peut-être Dieu dans leur vie. Qu'est-ce que tu vas leur donner comme message maintenant? Mon frère, nous devons savoir que Dieu est amour. Tout passera. C'est-à-dire, lorsque je parle de l'amour de Dieu, Dieu est compatissant. Quel que soit ce que nous ayons peut-être fait dans le passé ou dans le présent, lorsqu'on vient devant Dieu, on reconnaît ses erreurs, Dieu pardonne. Et ce n'est que par le pardon de Dieu qu'on peut bénéficier de la restauration. J'aimerais dire une chose, mon frère. C'est-à-dire, le Seigneur ne peut jamais faire quelque chose dans ta vie sans avoir eu compassion de toi. La Bible nous dit quoi? Émis de compassion, il multiplie le pain. Émis de compassion, il ressuscite à Lazare. C'est-à-dire, à chaque fois que Dieu a compassion de son peuple, il se manifeste. Le seul moyen d'attirer la compassion de Dieu, c'est quoi? Lorsqu'on a mal agi, c'est de se repentir. Et la compassion de Dieu dans notre vie vient avec la restauration. Parce que, mon frère, regarde aujourd'hui, les vies des gens sont détruites. Rien ne marche. Les gens font, comme vous le dites en français, les faux perso. Et pourtant, bien aimé, celui qui est avec Dieu ne force pas. Frère Raph, à Eden, à moins que tu me contredises, je n'ai pas vu, bien aimé, Adam travaillant comme on le fait aux États-Unis. Il y a des gens qui travaillent comme des machines. Mais la Bible nous dit quoi? L'homme avait à manger. L'homme ne forçait pas parce que Dieu avait tout pourvu pour l'homme. Et lorsqu'on voit même que pendant que l'homme a péché, Dieu pose la question à Adam, où es-tu? Adam l'a de reconnaître. Adam n'a pas voulu reconnaître. Or, si Adam avait reconnu,
je crois que Dieu aurait pardonné. Et le processus de la restauration, parce que n'oublie pas que lorsqu'on pêche, tout le privilège qu'on a, on le paye. L'homme a perdu l'autorité qu'il avait, parce que c'est Dieu qui avait dit à l'homme que non, faisons de notre image, à notre ressemblance, afin de dominer. On remarque aujourd'hui que la pauvreté domine sur les gens, les maladies dominent sur les gens. Bien-aimés, beaucoup de forfaitaires, bien-aimés, dominent sur l'homme, et pourtant, l'homme a été créé pour dominer. Or, le seul moyen, bien-aimés, de récupérer la domination, le seul moyen de récupérer, bien-aimés, le crédit, la gloire qu'on avait, c'est quoi? C'est de se repentir. Et lorsqu'on se repent, la première chose que Dieu fait, c'est quoi? Dieu restaure. C'est-à-dire, Dieu te revalorise, Dieu te redonne ton identité que tu avais. Ok, chers téléspectateurs, j'espère bien que ce message va vous amener la restauration de tout ce que vous avez perdu dans votre vie. Alors, prophète, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin par rapport à votre message d'aujourd'hui. Ce message, nous venons de l'introduire, comme je viens de le dire. Nous aurons animé pratiquement 3 émissions. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai introduit. Nous voulons parler sur le grand thème, la restauration. On va voir la restauration dans tous les domaines, dans toutes ses facettes. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Église a besoin de la restauration. Papa Raph, s'il faut remarquer l'endroit où il y a la haine, ce n'est pas le monde, c'est l'Église. Oh, souviens-toi que la Bible nous dit que cet homme qui était boiteux, il avait comme dit son livre des Actes des Apôtres. Cet homme comprit que non, pour avoir de l'aumône, avoir une aide, il n'est pas dans des boîtes. Il n'est pas un bien-aimé dans je ne sais pas où. Il est allé dans le bel temple. Parce qu'il se disait qu'à l'église, il y a parce que la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dieu dit, il y a 4 choses qui dépassent mon entendement. Les traces de l'homme sur la femme, les traces du navire dans l'eau, et surtout quoi? Retiens ça, Raph. Les traces du serpent dans les rochers. Lorsque la Bible parle du serpent, le serpent c'est qui? C'est le diable. Et lorsque la Bible parle du rocher, le rocher c'est quoi? C'est l'église. Vous savez, lorsqu'un jacobien lézard traverse un mur, il ne laisse pas de traces. Mais la conséquence c'est quoi? C'est l'empoisonnement. Aujourd'hui, les hommes de Dieu s'empoisonnent. La haine. Aujourd'hui, les enfants de Dieu c'est haïssent. La jalousie. La concurrence. Oh, l'œuvre de Dieu n'est pas une course de vitesse, mais l'œuvre de Dieu, c'est une course de relais. Je vous invite, homme de Dieu, le Seigneur que nous prêchons n'est pas un Dieu de la condamnation. Dieu est un Dieu de la seconde chance. Le Seigneur, c'est un Dieu d'amour. Quel que soit ce que vous avez fait, bien-aimé, Dieu, lorsque vous revenez à lui, dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. C'est-à-dire, le seul moyen qu'on peut s'approcher de Dieu, papa Raph, c'est par la repentance. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, bien-aimé, avec l'obscurité, la lumière de Dieu va éclairer ta vie. Lorsque tu t'approches de Dieu avec ta maladie, les médecins de Jésus vont te guérir. Lorsque tu t'approches de Dieu avec ton combat, Yehoshua, Sabaoth, il va se manifester. C'est-à-dire, j'invite le peuple de Dieu d'être là fréquemment à suivre Congo Mikili parce que avant, bien aimé, la fin de ce mois, on va vivre la restauration. Parce que nous vous apportons un message d'espoir. Nous voudrions bien aimer que c'est encore possible parce que l'arbre a de l'espérance. La Bible nous dit quoi? À l'approche de l'eau. C'est-à-dire, l'arbre qui a été coupé, peut-être on a coupé tes finances. On a coupé ta santé, on a coupé, bien-aimé, ton mariage. Bien-aimé, lorsque l'eau s'approche, l'arbre va encore redonner la vie. Bien-aimé, l'eau c'est quoi? L'eau c'est qui? L'eau c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce message. On se retrouve encore une fois de plus, chaque fois que ce message est diffusé sur Congo Mikili. Soyez branchés et je vous dis au revoir. J'aimerais bénir en tout cas, une fois de plus, mon frère Raph. Okay. Et j'ai béni ma charmante épouse Esther pour le soutien spirituel important. Et j'ai béni tout le peuple de Dieu de mon ministère, le son de la septième trompette. Je pense à mon frère, l'incontournable Serge Sersemet Sarwadogo. Sans oublier mes frères de Dallas, papa Didier. Il y a aussi, je soutiens, que je bénis Dieu pour papa David au niveau de Charlotte. Sans oublier papa Willy, maman Janet, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, que Dieu nous garde et à la prochaine, ne ratez pas. La restauration est possible. Que Dieu vous bénisse.
Ok, merci beaucoup. Quant à moi, je fais un petit coucou à Prince Pata qui me suit à partir de Lille, France, et puis à Rex Kabongo qui me suit à partir de Bruxelles, sans oublier Papi Mangwala, les descendants de Zalayala, en direct de Paris. Et puis mon ami Patrick Mbangu, Motema ya Alicia Keys. Donc, big salam partout là où vous êtes. Suivez ce message de restauration. Il y aura quand même une restauration qui va s'établir dans vos vies. Que la gloire te revienne, toi qui as commencé avec nous comme étant Alpha. Père, tu n'as jamais été un Dieu des œuvres inachevées. Lorsque tu commences une œuvre, Adonai, tu l'achèves. Et nous te bénissons, Père de gloire, parce qu'à la croix de Golgotha, tu as tout accompli pour chacun d'entre nous. Et c'est à la croix, mon Dieu, mon roi, que tu as rendu la restauration possible. Parce que nous voyons que lorsque l'homme, après avoir été maudit, après avoir été bloqué, mon Dieu, mon roi, lorsque tu versas ton sang, le sang de l'agneau est venu restaurer l'homme avec son Créateur. Souviens-toi de chacun d'entre nous qui a suivi cette émission, que la paix de Dieu et que le signe de la restauration leur soit communiqué au nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant et le Restaurateur. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Le colo, ça y est,